Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma page. Aujourd'hui, on va parler de l'urine. J'ai mon fils qui est là, qui dérange un peu là. On va parler de l'urine, j'ai choisi. Si vous entendez des bruits, c'est parce que je suis proche de mon balcon. Là, il y a la lumière du jour qui monte bien ma peau. Parce que je veux vous parler de l'urine et je veux vous montrer comment est ma peau. Je vous ai déjà montré ma peau dans une vidéo. Je n'avais pas de make-up. Aujourd'hui également, j'ai pas de make-up. Vous voyez. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de mon histoire avec l'urine. En fait, ça fait 13 ans maintenant que je connais l'urine, que je consomme l'urine, que j'utilise l'urine pour mes soins quotidiens. Donc, j'ai décidé de vous en parler. Donc, mon histoire débute en 2004. J'étais enceinte et j'étais pas bien du tout, je me sentais malade, je savais pas trop pourquoi. Bien sûr que la grossesse fatiguait, mais bon, c'était trop pour moi. En fait, c'était mon cinquième enfant et mon mari, il connaît un de ses amis qui connaît la thérapie sur l'urine. Donc, il a appelé son ami, il est venu m'expliquer comment ça se passe, que ça peut me soulager et tout. Ça peut faire que je puisse être bien pendant ma grossesse. Et lorsqu'il m'a expliqué les bienfaits de l'urine et tout, comment on consomme l'urine, et bon, moi, quand je souffre, sincèrement, quand je souffre, que je cherche un remède, lorsqu'on me montre le remède, je l'applique directement sur moi pour voir comment ça se passe. Donc là, j'ai pas hésité, j'ai pas pensé, oui, c'est dégueulasse, et ceci, cela. En tout cas, j'ai pas eu ce genre d'idée. Moi, je suis une personne, depuis petite, on me soigne avec les remèdes des grandes-mères, donc je suis habituée et mon esprit est ouvert vraiment envers beaucoup d'autres choses. Les thérapies, n'importe quelle thérapie, je regarde si ça me sied, j'y adhère. Donc, si je parle trop, la vidéo sera trop longue. Donc, l'urine, je l'ai appliquée depuis 2004. Et je l'ai bu, comme je disais tout à l'heure, ce même jour-là, quand le monsieur m'a parlé de l'urine, je l'ai bu tout d'un coup. Mon mari, il était étonné. Ah, mais tu viens de boire l'urine comme ça? Il a dit, oui, mais je souffre. Moi, quand je souffre, on me montre un remède, je l'applique directement sur moi pour voir comment ça va se passer dans mon corps. Parce que je veux être bien, je me sens mal, je veux être bien. Donc là, j'ai appliqué l'urine. Et ma grossesse s'est bien passée, l'enfant, malheureusement j'ai perdu l'enfant après, j'ai accouché 9 mois après, mon enfant est décédé. Mais cet enfant là, quand il est né, sa couleur de peau, waouh, waouh. Et j'ai, comment on appelle, appliqué l'urine sur moi. L'urine en fait c'est un liquide qui vient... Il n'est plus à présenter, mais c'est un liquide doré qui vient de notre corps, qui comporte des ingrédients qui font partie du sang. Et il comporte de l'urée, des minéraux, des vitamines et tout ça. Ça permet de régénérer des cellules dans notre corps. Lorsqu'on gêne à l'urine, c'est bien pour le corps parce que les cellules se régénèrent. Donc, moi, j'utilise l'urine depuis 13 ans, comme je vous ai dit tout à l'heure. Je fais mes soins de beauté avec et je le consomme. Et si vous êtes prise par la constipation, comme moi, par exemple, le remède radical de la constipation, si vous voulez bien le prendre parce que dans la vie, tout le monde n'est pas pareil, tout le monde ne va pas voir les choses de la même façon. Il y a des gens qui vont trouver que c'est dégueulasse, c'est ceci, cela. Mais moi, je vous invite vraiment à lire des bouquins qui parlent, j'en ai plusieurs ici, je vais vous en montrer, des bouquins qui parlent de l'urine. Là, c'est tester l'urine thérapie. C'est un livre en français et c'est écrit ici à Maroli. C'est un livre en français qui parle bien de l'urine, comment utiliser et tout ça là. Et
je disais tout à l'heure, ceux qui utilisent l'urine contre la constipation, si ça ne vous gêne pas, que vous aimez vous soigner de cette façon, en tout cas, je vous encourage à traiter la constipation de manière radicale. Chaque matin, vous vous levez, vous prenez votre urine, vous buvez, que ce soit la première urine du matin, la deuxième, ça n'a pas ça cause pas de problème. Mais je tiens à soulever un fait, c'est que l'urine, pour utiliser l'urine, il faut avoir un certain nombre d'habitudes saines, manger santé, manger des légumes et des fruits, tout le monde sait, et avoir vraiment une alimentation équilibrée, manger moins de viande rouge, manger moins de sel. Bois assez d'eau, oui, l'eau est l'ingrédient phare de l'urine. L'urine contient 90% de l'urine, c'est de l'eau. Et je vous dis que l'urine, c'est une bonne chose, c'est une bonne thérapie à adopter pour se soigner. Elle soigne beaucoup de maux. Et aujourd'hui, je vais citer quelques-uns. Par exemple, je vais vous faire une vidéo pour soigner, comment soigner la sinusite, si vous avez des allergies avec l'urine, comment faire ses soins au quotidien avec l'urine. Et en parlant, même j'ai mon urine qui est proche de moi ici, que je vais vous montrer comment je l'applique les matins. Moi, je mets mon urine dans des pots en verre. Dans des bouteilles comme ça. Ce sont mes bouteilles de vin que je paye. Et après, je les lave très bien où il n'y a plus d'odeur de vin. Je mets mon urine dedans pour la faire fermenter. Moi, j'utilise l'urine fermentée pour mon visage. Mais pour ceux qui sont nouveaux, qui ne sont pas habitués, utilisez votre urine fraîche. Et l'urine, ça ne sent pas. Moi, sincèrement, j'adore l'odeur de l'urine. Ça dépend de ce que vous mangez. Si vous buvez assez d'eau, votre urine ne va pas sentir comme vous le sentez, comme c'est dégueulasse, et ceci, cela, non. Donc là, je pars, je m'approche tout près. Avec la lumière du soleil, c'est comme ça ma peau est. Ça dépend d'où je me trouve. Si je me trouve dehors, des fois quand je fais mes vidéos, vous me voyez dans le soleil, ma peau est très belle. Et ça dépend de la lumière où je me trouve, vous voyez la qualité de ma peau. Donc là, je vais vous. Voilà, j'ai mis mon urine qui est fermentée sur mon coton que je vais l'appliquer. Bon, déjà matin, je l'ai déjà appliqué, mais je vais l'appliquer pour vous. Quand l'urine est fermentée, elle pique, hein? Donc c'est pour ça que je fais mes yeux comme ça. Je vais l'appliquer. Et là, j'ai pas de make-up. On n'a pas besoin de. Et trop appuyé tout comme si Et n'oubliez pas de passer en dessous de vos yeux, sur vos yeux, parce que l'urine combat aussi les rides. Lorsque vous utilisez l'urine, votre peau est vraiment impeccable. Vous voyez le glow que ça donne. Je me rapproche, vous voyez. J'adore l'urine. J'adore l'odeur de l'urine fermentée. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis en amour avec l'urine. Ça fait 13 ans maintenant. Et l'urine, et j'ai fabriqué mon savon à base de l'urine, que je me lave tous les jours avec. Je suis une personne de peau sensible qui est née avec de l'eczéma. Mes enfants même en font. Donc, avec l'urine, j'ai le visage qui est. Hein, vous-même, vous voyez. J'ai un vilain petit bouton qui est sorti là, mais il va partir. J'ai un autre qui est sorti, mais il m'a laissé une trace là. Mais avec l'urine, ça va partir. Donc, c'est de cette façon-là que je nettoie mon visage chaque jour. Avec l'urine, on n'a pas vraiment besoin des soins cosmétiques qui sont vendus un peu partout dans les magasins. L'urine ne coûte rien. On a juste besoin d'un coton. Et on a juste besoin de boire assez d'eau et d'uriner.
si vous pouvez le faire, en tout cas, moi, je vous conseille celles qui peuvent le faire parce que tout le monde n'est pas pareil. Il y a des gens qui vont trouver ça dégueulasse. Mais je vous le dis, renseignez-vous sur l'urine. Lisez sur l'urine. Si vous lisez les livres sur l'urine, vous allez tomber en amour avec l'urine, comme ne pas tomber en amour avec l'urine. Ça dépend de vous. J'ai un autre livre aussi qui est en français également, qui parle de l'urine. L'urinothérapie de Dr. Christian Thalschaller et de Johan Razanamahe. Amaroli, c'est le nom indien de l'urine. Amaroli, la découverte d'une écologie intérieure. C'est-à-dire que c'est une thérapie très bonne, facile à faire. Bon, moi, c'est facile pour moi. Peut-être que ça peut ne pas être facile pour d'autres personnes. Mais vraiment, je pense que l'ignorance tue. Oui, quand on est ignorant de certaines choses, on pense que ces choses-là ne sont pas bonnes et on a des avis vraiment dégueulasses sur certaines thérapies, certaines choses de la vie. Mais il faut avoir l'esprit vraiment ouvert pour vraiment se soigner de manière très efficace et moins chère. Je dis pas que l'urine, lorsqu'on utilise l'urine, on n'est pas malade ou bien ceci, cela. Non. Quand on utilise l'urine, on va à l'hôpital. Elle dit que quand tu es malade, il faut aller à l'hôpital pour qu'on décèle qu'est-ce qui te fatigue. Après cela, ils vont te donner des remèdes. Et c'est à toi de voir. Soit tu prends tes médicaments, tu te soignes sur le nombre de jours donnés par le médecin. Et lorsque tu as fini de faire ton traitement, tu vas commencer à faire l'urine. C'est de cette façon-là qu'on le fait. Même dans le livre, on dit aussi que même si tu prends des médicaments, c'est de boire l'urine à petite dose. Mais moi, je conseille de finir votre traitement et puis après, vous mettre, comment on appelle, 2 jours comme ça à la crudité, manger cru, tout ce qui est cru, des légumes, des fruits. Et lorsqu'on mange les fruits et les légumes, l'urine sent très bon, c'est très parfumé. Et lorsqu'on le met sur soi, ça a un parfum. Il y a des gens qui vont me dire, mais celle-là, de quoi elle parle? Quand elle parle de l'odeur de l'urine. Oui, moi j'adore l'urine. Et voyez mon corps. Moi je ne mets pas de crème. En tout cas, j'aime pas les crèmes. Je suis plutôt huile. Huile de coco. C'est l'huile de coco que je mets. J'adore l'huile de coco. Ça pénètre très bien dans la peau. Donc, avec l'urine que j'appelle Amaroli en indien, je me lave avec mon savon à base de l'urine. Je me badigeonne le visage avec l'urine. Si je veux mettre une pommade, je mets l'huile de coco, tout simplement. Regardez ma peau de près. Je n'ai pas de rides. Pas de rides. J'ai 40 ans maintenant, j'ai pas de rides. Et il y a des gens qui me complimentent tout le temps et j'ai 10 enfants. C'est pas pour me lancer des fleurs, c'est parce que j'ai la capacité d'avoir ces enfants là que je les ai et j'aime beaucoup les enfants. Et très souvent aussi, quand les enfants sont malades, quand ils sont enrhumés, c'est bon aussi de mettre l'urine dans leur nez. Même les grandes personnes, ça soigne le rhume. Si vous avez mal à l'œil, vous mettez quelques gouttes, vous lavez bien votre main, vous mettez quelques gouttes d'urine dans vos yeux. Si vous avez mal aussi à l'oreille également, vous mettez quelques gouttes d'urine dans vos oreilles, matin, midi, soir. Si vous avez un bouton et tout, vous mettez l'urine. Si vous avez des furoncles, imbibez un coton comme ça d'urine et puis mettez sur le furoncle et puis mettez un pansement dessus. Ça va faire que le furoncle va mûrir et puis le jus là va sortir rapidement, facilement et puis bon. Donc quand vous avez des boutons, des démangeaisons, des problèmes d'allergie, je vous conseille pour celles ou ceux qui peuvent faire, ceux à qui ça intéresse, de vraiment masser cet endroit-là. Même, je vais vous montrer dans plusieurs vidéos comment utiliser l'urine pour différents traitements de certaines maladies de la peau. Et en tout cas, l'urine fait vraiment des merveilles. Moi, je le dis, vous-même, je vais mettre, comment on appelle,
une vidéo. Je suis en train de faire un lookbook. Vous allez voir comment je suis. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Fleur de Lotus. Et j'ai 10 enfants. Je suis maman à la maison. Et j'ai d'autres choses que je fais, mais je ne dévoile pas sur le net. C'est ma vie. Et ce dont je veux partager, je veux parler de ça aujourd'hui, l'urine. En tout cas, moi, je ne sais même pas qu'est-ce que je vais dire encore de plus. Même quand je vais donner un truc, quand vous allaitez, que vous n'avez pas assez de lait, vous buvez votre urine, automatiquement, vous allez sentir les mouvements dans votre sein, le lait qui vient. En tout cas, moi, je l'ai fait. J'ai eu plusieurs enfants, je l'ai fait, j'ai pas eu de problème de lactation. Et ça fait que votre bébé, il est en santé, et il grossit bien et tout. Il y a plein de vitamines. Si vous mangez bien, il n'y a pas de problème à ce que il n'aille pas bien ou bien vous-même ne soyez pas en santé. Et puis lorsque on est enceinte aussi, il faut masser le ventre avec l'urine. Masser le ventre, masser le ventre. Ça va vous permettre d'avoir un teint, une peau très belle et puis pas de vergetures et accompagné du beurre de karité, vous massez. Moi j'ai une photo aussi, peut-être que je vais la mettre. C'était l'année passée, j'étais à la piscine, j'ai pris cette photo. Là j'étais un peu plus mince que ça. J'avais le ventre vraiment bien. Pour une maman de 10 enfants, c'est pas évident d'avoir un ventre comme ça. Donc, on va faire plusieurs vidéos pour vous expliquer comment l'urine fonctionne par rapport à certaines maladies, comment il faut l'utiliser. Et puis, si vous avez, pour celles ou ceux qui connaissent l'urine, venez me laisser vos commentaires, parler de ça dans les commentaires et dites qu'est-ce que vous, qui vous a parlé de l'urine, comment vous l'utilisez, qu'est-ce que vous faites avec et tout ça là. Vraiment, je tenais à faire cette vidéo là depuis longtemps, mais j'ai pas vraiment eu le temps. Vraiment, l'urine, il est impeccable si tu veux avoir un teint. Vous voyez mon teint quand même, j'ai pas de fond de teint. J'insiste là-dessus, j'ai pas de fond de teint. Je viens juste de nettoyer mon visage avec l'urine. Voilà le coton, j'ai pas de fond de teint. Et je recommence. Pas de fond de teint. Et je vais vous donner une autre astuce quand tu veux que ton visage, hein, ce que moi je fais, j'ai une autre astuce que je fais avec l'urine. Mais et puis il y a un autre problème, c'est que si tu utilises l'urine, il faut que la personne qui est à côté de toi, parce que comme l'urine, il a une odeur. Deux fois, la personne avec qui tu vis, il faut lui expliquer et tout. Peut-être que lui aussi, ça peut l'intéresser, il peut le faire. Ou bien, bon, pour ne pas que ça gêne la personne et tout, je préfère d'utiliser votre urine fraîche. Mais si la personne connaît que ça ne dérange pas, la vieille urine, vous pouvez l'utiliser pour faire des massages. Elle dit que le matin, comme ça, vous vous asseyez dans votre douche, vous prenez vous pouvez chauffer l'urine. Oui, on peut la chauffer. Vous chauffez, prenez dans vos mains et vous vous massez plusieurs fois sur le corps. Vous massez. Et votre peau devient vraiment une merveille. Vous-même, vous voyez. Je n'ai pas de make-up, rien. Mais vraiment, j'adore ma peau. Et pour les 40 ans que j'ai, j'adore mon visage. J'adore vraiment mon visage. Je suis quelqu'un qui s'aime beaucoup. Oui, dans la vie, il faut s'aimer. Faut pas attendre que quelqu'un d'autre t'aime et tout. Il faut prendre soin de soi. Je suis une maman qui prend vraiment soin d'elle. C'est pas seulement l'urine que je fais d'autres soins qui sont naturels et tout. Et je vais vous montrer comment perdre du poids aussi avec l'urine. C'est très simple et ceux qui adorent jeûner aussi, c'est très bon l'urine pour jeûner. Je vais vous faire des vidéos pour mieux vous expliquer. Aujourd'hui, bon, je vous présente l'urine comme ça de manière un peu rapide, mais bon. Dans tous ces livres-là, je vous ai déjà présenté, testé l'urine thérapie. Ces livres-là viennent de Amazon.
si vous partez sur Amazon, vous tapez, je vais mettre toutes les informations dans la barre d'informations. Et celui-là aussi, l'urinothérapie de Dr. Christian Tal. Et il y a nom des, il y a des livres aussi qui sont en anglais. Urine therapy. Ça, c'est en anglais. Moi, des fois, je maîtrise pas bien l'anglais. Je peux lire l'anglais. Des fois, je comprends, comme des fois, je ne comprends pas très bien. Donc, c'est mon mari et mes enfants qui comprennent l'anglais, qui lisent en anglais. Moi, j'essaie de lire un peu, mais pas trop. Et ici, Urine the holy water. Ouais, mon anglais est bizarre. Donc, c'est comme ça. J'ai plusieurs livres. Maintenant, celui-là, c'est Uropathy. Holistic Therapy. The most powerful holistic therapy. Donc, on vous dit powerful. Powerful, c'est vraiment powerful. Powerful. Donc, tous ces livres, excusez, tous ces livres-là sur l'urine, documentez-vous. Lisez des livres sur certaines choses qui vous intéressent pour pouvoir avoir l'information exacte. L'information exacte pour pouvoir vraiment parler de la chose. Il suffit pas de se mettre derrière son écran et dire oui, c'est dégueulasse, c'est ceci, cela et tout. Non. Moi, je me dis que tu peux. Bon, si tu as l'information dessus que ça ne t'intéresse pas, bon, tant pis. Mais si ça t'intéresse, tant mieux. Parce que dans la vie, tout le monde n'est pas pareil, tout le monde ne voit pas les choses de la même façon. Et lorsque quelque chose aussi marche pour l'autre, ça peut ne pas aussi marcher pour l'autre personne. Mais vraiment, l'urine, là, je ne sais pas. Hein. Il faut l'essayer pour voir. Même les gens qui ont l'acné, tu vois des personnes qui ont l'acné ou bien des gens qui ont utilisé des produits éclaircissants, leur peau est gâtée. Utiliser l'urine chaque jour, chaque jour, chaque jour, surtout l'urine vieillie. Ça fait des merveilles. Moi, je vous conseille vivement pour celles ou ceux qui sont prêtes à utiliser cette thérapie-là, qui est l'urine. L'urine coûte rien. L'urine coûte pas. Coûte rien du tout. Vous avez juste besoin d'un gobelet, de bien manger des légumes, des fruits, d'arrêter ou bien de manger moins de viande rouge. Et puis, bois assez d'eau, bois de l'eau. C'est l'eau qui va permettre de dégager les toxines. En buvant l'urine, ça va désintoxiquer votre corps. Deux fois, la première fois, lorsqu'on boit l'urine, vous pouvez sentir, comment on appelle, vous sentir, vous pouvez avoir des vertiges, comme vous pouvez avoir la nausée. Mais ce sont des réactions normales lorsqu'on prend son urine. Mais après, ça se stoppe et puis c'est fini. Dans les premiers moments, ça peut faire ça. Et il y a des moments aussi, les premiers moments qu'on prend l'urine, on peut avoir des boutons qui apparaissent. En fait, c'est une façon d'élimination lorsqu'on prend l'urine. L'urine va désintoxiquer votre corps. Des fois, vous pouvez avoir une maladie qui est cachée quelque part. Ça peut aller déranger. Et lorsque vous allez continuer à boire, et puis ça va vraiment vous soigner. Donc, je vous recommande de payer ces livres-là. Il y en a en français, il y en a en anglais. Ceux qui lisent en anglais, ce sont de très bons livres pour se renseigner. Parce que moi, quand tu veux faire quelque chose, il faut avoir des livres dessus, te renseigner du comment, du pourquoi, de quoi, comment on le fait et tout ça. Donc, je tenais vraiment à vous partager cette vidéo. Et n'oubliez pas de la partager, de laisser vos commentaires et de vous abonner, d'activer la petite cloche qui est juste à côté de s'abonner pour avoir toutes les notifications de mes vidéos. Je vous adore, restez belle et soignez-vous à 0 $ avec l'urine. Bye bye!